29. Nettie m'a révélé que mon prédécesseur, Maxime Saint-James, a caché une lame sacrée baptisée l'éclipseur quelque part au cœur du monde des morts. Et évidemment, il me faut trouver cette lame et la lui apporter pour qu'elle puisse activer mes pouvoirs dans le monde des vivants. Que j'en finisse avec les cinq. Tu n'as pas idée de l'endroit où elle se trouve? Pardon? Attends, dis-moi si c'est bien ça. Tu me demandes à moi, le portier misérable, où un Shadowman a bien pu cacher une lame sacrée à l'intention d'un autre Shadowman? Non mais tu rigoles ou quoi? Pas vraiment. Mais bon, alors laisse-moi réfléchir. Elle est... sous mon chapeau? Non. Dans ma culotte? Non. À moins que ce ne soit dans mon oreille gauche? Et si tu cherchais dans ces sacrés chemins de l'ombre? Maintenant arrête avec tes questions stupides et fiche le camp. Thank you.
Ok, j'ai trouvé un morceau de l'éclipseur. Saint James l'avait caché dans les chemins de l'ombre. Bravo, Mike. Mais il me faut les trois morceaux pour activer les pouvoirs vaudous de l'éclipseur et faire venir l'ombre sur le monde.